I find it incredibly hard to date, to the point where I actually can't get dates. So there's two perspectives on that. So if I were to go meet somebody, it's kind of hard because I don't like random people to know my real name. So obviously I'm meeting them as Adriana Chechik, and that's extremely hard. It's intimidating. I've had guys literally walk out on me when I've met them because they're so intimidated by me. And then also I've done some of the most extreme sex acts on camera that guys can't swallow or get past. I currently do kind of live like a little bit of a lonely life. There's another aspect where guys only want to date me to show me off to other people or their friends. They immediately treat me like the Adriana Chechik experience, right? So if I was gonna go meet a guy, they would never hold my hand or anything. The first thing they do is they try and have sex with me. So it's really disheartening, to be honest, and I've kind of just given up. I feel like, sadly, I actually feel like I might not ever find a boyfriend like that, and I might just end up being alone. I agree that it's really hard. Once you get into a relationship, your fans feel like they're not in the same relationship anymore. So to be with someone like me, you're gonna have to understand that I can't be posting you. I can't be showing you off how you are with me, because my fans are not only gonna feel entitled, but they're also gonna be disrespectful to you. They're gonna be sending you screenshots of my work and telling you very hateful things. And I feel like you have to be mentally prepared to date a sex worker or a performer because of what comes with it. And, you know, coming home sometimes, or I don't wanna have sex, you're gonna have to be okay with not wanting to have sex, and it's just a lot that comes with it. So I think it's really hard. Elle est sérieuse là? Non. Wouh! Non. Elle est vraiment. Alors j'en ai entendu des choses. En tout cas, merci madame, parce que j'étais un petit peu fatigué. Ça m'a remis d'aplomb. Là, je dois le faire cardio tout à l'heure. Merci madame. Alors j'en ai entendu des femmes qui sont dans la désillusion, mais alors elle. On peut pas faire plus haut là. Elle a dit ouais non mais enfin voilà quoi, des fois je suis fatigué, j'ai déjà eu 20 orgasmes aujourd'hui, enfin tout mon quota de plaisir, ça y est, enfin j'ai déjà gaspillé au travail. Je peux pas, je suis désolé Gérard. Non, là faut que tu comprennes que voilà quoi, des fois non. Ah, c'est vrai. Donc quel est l'intérêt madame? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Donc le gars il a une femme, sa meuf c'est une actrice porno mais pas de sexe quoi. Quel est l'intérêt en fait madame? Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas. Si quelqu'un peut m'éclairer en commentaire, peut-être, je sais pas. Une actrice qui passe, qui me donne ses arguments, je ne sais pas. En tout cas c'est incroyable. Donc non madame, là j'ai l'impression que... Là la vie va... Alors profite, hein, parce que je pense que tu es encore dans ta jeunesse, hein. Profites-en, hein, parce que là, ça va être compliqué pour avoir un gars. De toute façon, au fur et à mesure du temps, tu vas vite changer ce truc-là, surtout le truc de ouais. Ouais, des fois, il faut que tu comprennes quand je rentre du travail. Bon, ok, c'est bon. Non, mais c'est juste que bon, arrête, vas-y, on continue la vidéo, Bref, alors, le truc d'envoyer des photos, c'est tellement vrai, parce qu'il y a Joe Smith, tu sais, j'ai fait une vidéo là sur Joe Smith. Il y a des gars, ils lui ont envoyé des photos de sa meuf. Ouais, regarde là, tout ça, nanani. Un truc incroyable. Et j'ai même entendu des histoires où, ouais, quand les meufs, les actrices, elles se mettent avec des gars, les gars, ils envoient des screenshots quand elles se fait défoncer. Et ils disent, oh, ouais, t'es au courant, hein? T'es au courant? Le gars là, ah, c'était pas toi? Ah, d'accord. Ah, parce qu'elle s'est fait, oh là là, elle a pris cher, hein? Oh là là, oh là. Les gars ils font ça, c'est là que tu vois que les gars ils sont quand même partis dans la folie quand même, hein. C'est tellement, ils regardent les films avec la même actrice que les gars ils deviennent amoureux. Et ça c'est sérieux en plus, tu peux rechercher. Les gars en fait s'ils regardent trop souvent la même actrice, hein, et qu'ils se paluchent dessus, eh ben genre ils commencent à développer des sentiments. Virtuellement, ouais, elle t'a jamais vu, les gars ils sont amoureux. Donc les gars ils sont jaloux quoi maintenant. Voilà, les gars ils sont jaloux, elle-même elle est là. On peut pas sortir ensemble, je peux pas te mettre sur mon Insta, on peut, voilà, on peut rien faire quoi. Il faut que tu sois solide, il faut que tu sois un vrai homme, hein, qui soit pas insécure pour pouvoir gérer une relation avec moi. Sinon tu vas pas pouvoir, hein. Ma chérie, je pense que tu vas rester toute seule, hein. Parce que alors c'était bien l'argent, c'est pour ça des fois l'argent rapide, des fois faut réfléchir à deux fois. Hein. Quand ça va trop vite comme ça l'argent, là tu vas faire comment là? Parce que là c'est cool, mais tu vas faire comment plus tard? Je sais pas, mais à un moment donné, il va falloir que tu j'imagine que je veux fonder une famille, un truc comme ça. En tout cas, merci d'être passé parce que ça m'a... j'ai bien rigolé. J'espère que tu as pris plaisir aussi. Non, mais après, ça revient malheureux quand même parce que là... ça rigole, mais la vie va la gifler. Hein. Donc la désillusion, elle est partout, mais le problème, c'est que quand tu ne vis pas dans la réalité, ben, la vie, à un moment donné, elle vient et en ce moment, elle met des chiffres à beaucoup de gens. Hein. Tiens, ah, bah, ah, tiens, je n'avais pas vu elle. Bah, là, la vie, tu peux rêver, tu peux dire oh, ma vérité, je vis dans ma vérité, je fais ce que je veux. À un moment donné, la vie va te gifler, hein, elle va te faire revenir. Ah, ça y est, ah, mais c'est bon, je vois mieux, je comprends mieux maintenant. C'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Bref, bon, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Voilà ce que j'en pense par rapport à ça. Je vois que ça va de mieux en mieux. Hein. Hein, je vois qu'on avance vraiment dans la profondeur de la désillusion. Et ça ne s'arrête jamais. Apparemment, c'est un trou sans fin. Hein. Bref. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu vas aller plus loin avec moi, je te rappelle ta moyenne étude de cas, c'est quand même la base, les gars. Hein. L'étude de cas, pour que tu puisses créer ton business en ligne, j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, leur permettre de devenir indépendant financièrement. Je te montre étape par étape comment le faire, c'est gratuit, ok. Profites-en, clique sur le lien, on va créer un hack, hein, tu connais, regarde quand même. Et les gars, on lâche rien, et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je vais être au camp.